C'est à cause de ça que vous voyez que dans la classe, depuis que tu es à l'école, c'est toujours les maudits qui ont toujours l'ego que toi tu veux. Pendant que toi tu ne comprends pas, tu penses que c'est en lui disant hey, allons ici, hey, il a payé ça pour toi. Ça ne marche pas, laisse tomber. Ouais les gars, voilà, encore mon, voilà. Il y a un de mes petits qui m'a envoyé un message, il dit quoi? Que mon vieux, tu m'as dit de la libérer, les libérer ça prend. Voilà, ça c'est la psychologie derrière ignorer une femme en fait. Voilà, pourquoi ça a pris? C'est à cause de ça, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui en fait. La psychologie derrière ignorer une femme en fait. Quand tu ignores une femme là, tu lui montres en fait que là, toi là, tu es rare en fait. Et c'est pas si tu comprends. Comprenez que la plupart des go Abidjan, dans le monde même là, elles ont l'habitude de dealer avec des simples, des bêtas en fait, qui ne font que leur donner l'attention, la validation. Tu es jolie, tu es la plus belle. Oh, je veux rester avec toi, je veux que tu sois ma copine. Elle est habituée à ça. Vous savez à quoi elle n'est pas habituée? Aux gens de gars qui n'ont rien à foutre d'elle en fait. Ben, c'est à cause de ça que vous voyez que dans la classe, depuis que tu es à l'école, c'est toujours les maudits qui ont toujours l'ego que toi tu veux. Pendant que toi tu ne comprends pas, tu penses que c'est en lui disant hey, allons ici, hey, il a payé ça pour toi. Ça ne marche pas, laisse tomber. Ouais les gars, voilà, n'oubliez pas en fait de partager, d'aimer et d'activer la cloche de notification en fait. Voilà, si vous avez un problème aussi, il y a mon email en bas, vous pouvez envoyer l'email avec les vidéos que vous voulez voir après. Voilà, je vais traiter sur eux en fait. Voilà, donc on est ensemble les gars. Voilà, peace. Voilà, ce qui marche là, c'est s'en foutre d'ego. Quand tu l'ignores là, elle comprend qu'en fait, ton attention, ta validation, c'est quelque chose de rare. Vous savez pourquoi en fait le diamant est une pierre précieuse? Il y a plein de pierres précieuses en fait. Hein. Mais le truc c'est que on ne trouve pas ça comme ça. On ne trouve pas ça facilement. Ce que les gens ne trouvent pas facilement, ils ont pour habitude en fait de donner beaucoup de valeur à cette chose en fait. Donc si une go n'a pas ton attention, même si tu es vilain, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, si tout le monde lui donne de l'attention que toi tu n'en as rien à foutre d'elle, elle va se poser des questions à ton sujet. Elle va se poser des questions sur pourquoi est-ce que tout le monde me valide, pourquoi est-ce que tout le monde m'apporte de l'attention, mais celui-là, il ne m'apporte aucune attention. Est-ce qu'il ne me trouve pas assez belle? Elle devient insécure. Là, tu as son attention à elle en fait. Elle va tout faire pour avoir ton attention. Tout faire pour avoir ton attention, c'est ça ta puissance, c'est ça ton pouvoir en fait. Et c'est pas si vous me suivez les gars, mais il faut que vous me suiviez. Parce que là, c'est le game qui est là. Tout ce que ta maman t'a dit, que non, les femmes aiment qu'on leur donne des fleurs, les femmes n'aiment pas le sexe, les femmes n'aiment pas ci, les femmes n'aiment pas ça. Ça c'est le monde de la pilule bleue. Eux comprennent pas, ça marche pas. Combien de personnes parmi vous ont essayé de faire ça et les go là n'ont pas apprécié? Combien de personnes ont envoyé des fleurs au go et ça n'a pas marché? Mais combien de personnes ont ignoré une go et puis ils ont vu que la go cherche leur attention en fait? Quand tu es dans une école, quand tu es dans un coin et tu ignores les go, elles vont combattre en fait pour ton attention, elles vont combattre pour ta validation. Ce qui fait que quand tu vas causer avec une, elle va tout faire pour ne pas perdre la causerie en toi, pour ne pas perdre ton attention, même si c'est une petite attention que tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir montrer aux autres que le gars qui est inaccessible à regarder, moi j'ai accès à lui. C'est une victoire pour elle en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, mais il faut que vous compreniez. Voilà. Donc, protégez votre attention. Une femme doit mériter votre attention. Tu ne peux pas donner ça gratuitement, man. Tu ne peux pas donner ça gratuitement. Si tu as l'habitude de lui envoyer un message matin, bébé, comment tu as dormi? Ça va. Demain, bébé, comment tu as dormi? Ça va. Toute une semaine, elle va dire, mais what's up? Mais qu'est-ce qu'il a? Lui, il a quel problème? Il m'emmerde, en fait. Elle va commencer à chercher quelque chose. Elle va commencer à chercher quelqu'un qui ne lui donne pas tout ça parce que les femmes aiment poursuivre. Arrêtez, je vous dis là, ben les gars, arrêtez de penser que les femmes, elles adorent poursuivre.
Une fois que tu es un gars, elle peut t'avoir facilement. Tu comptes plus. Elle est déjà dans son sac, en fait. Pourquoi elle va te gérer encore? Elle cherche quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, en fait. C'est bien la raison pour laquelle, en fait, que quand tu as une go, quand tu es seul là, il n'y a rien. Mais quand tu commences à avoir une go, quand tu as une go, elle qui tu es, les autres go commencent à te trouver attirant. Parce qu'elles veulent ce que les autres veulent. Les autres veulent. Elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas obtenir, en fait. Voilà. Moi, j'irais une go. Et puis, quand j'irais cette go là, je traquais une autre go. Elle savait qu'elle avait ma go. Elle avait son gars aussi, les gars. Mais vous ne comprenez pas. Elle ne voulait pas me donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle voulait une relation. Pas qu'en fait, elle voulait une relation vraiment. Hein, mais parce qu'elle a capté, en fait, que pourquoi il ne peut pas avoir ça lui-même. Peut-être elle ne voulait pas vraiment la relation. Hein, mais parce qu'elle n'avait pas l'opportunité même d'avoir cette relation, hein, ça l'emmenait à chercher, en fait. Une fois que quelque chose est inaccessible à une femme, elle veut ça. Elle veut ça, elle va chercher. Donc, protéger votre attention. Même si c'est une go que tu aimes, même si c'est une go que tu aimes, il faut que tu saches te gérer sur l'attention que tu lui donnes, en fait. Voilà, un minimum d'attention. Il faut que tu sois indisponible. Tu ne peux pas parler à une go toute la journée. Elle va comprendre que tu es un garçon. Tu n'as rien d'autre à faire, en fait. Voilà, les garçons qui sont vraiment en train de travailler, ils ne sont pas tout le temps en train de causer avec les go par message. Les garçons qui sont tout le temps en train de se chercher, les garçons qui ont une haute valeur, ils ne sont pas tout le temps en train d'appeler les go de minuit à 3h du matin, en fait. Vous imaginez Bédier en train de causer avec une go à 3h du matin? Jamais, jamais, les gars. Bédier va lui dire, allô, on se voit ici, allô, on se voit là. Elle ne va pas flex, elle sera là. Vous comprenez un peu? Voilà, pour ça, vous dites, augmentez vos valeurs. Augmentez vos valeurs, donnez de l'importance à votre attention, de l'importance à votre validation. Si vous donnez gratuitement, vous allez en souffrir. Si vous donnez gratuitement, vous allez rester derrière parce qu'une fois qu'elles ont ça, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Voilà, c'est un échange. C'est un échange. Si tu dois lui donner ton attention, si tu dois lui donner ta validation, il faut qu'il y ait quelque chose en retour, en fait. Voilà, et vous savez c'est quoi qu'elle doit te donner en retour. Voilà, il n'est pas besoin de trop parler, on est ici là, on sait ce pourquoi on est là, les gars. Donc voilà, c'est ça. Ignorez-les, elles doivent mériter votre attention. Quand un garçon ignore une go, elle comprend que c'est un garçon qui est désiré par d'autres femmes. Voilà, une fois que tu es désiré par d'autres femmes, Les gars, il faut voir les choses sérieuses. Une fois que tu es désiré par d'autres femmes vont te désirer. C'est l'hypergamie. Elles veulent ce que leurs amis ont. Elles veulent ce que leurs amis ont. C'est comme les enfants. Les femmes, ce sont des gros enfants, en fait. Voilà. C'est... Quand tu es enfant et puis ton papa paye ton vélo, c'est un joli vélo. Peut-être c'est mieux que pour ton ami. Hein. Mais là, quand tu vas pour ton ami, tu veux ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, comprenez ça, jouez avec ça. Voilà. Si vous les ignorez aussi, vous allez trouver des femmes soumises. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui n'aiment pas être ignorées. Elles vont partir. Mais ce qui est bon, c'est que quand tu l'ignores et puis elle travaille pour ton attention, les femmes que tu vas avoir seront des femmes soumises. Pas soumises, genre physiquement, mais mentalement. Je vous ai dit, tout le travail est mental. Voilà, c'est des mind games. Tout le travail est mental. Tout se fait dans la tête. La douleur est mentale. L'attraction est mentale. Tu dois rentrer dans sa tête avant de rentrer dans son... Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Rentre dans sa tête. Tu rentres dans sa tête en lui donnant, en ne lui donnant pas ce que tout le monde lui donne. En te mettant à l'écart. Tu n'es pas comme les autres Morgoth. Tu n'es pas un simple. Tu n'es pas un bêta. Tu ne fais pas ce que les autres font. Voilà, les gars. C'était Dave. Encore moi, vous connaissez. Buvez de l'eau. Il n'y a pas de bouteille, mais allons à ça. Voilà, big up les gars.